Alors, j'aimerais pousser un véritable coup de gueule, mais sérieux et profond, contre les travaux qui sont actuellement faits autour de la gare. C'est ni fait ni à faire. Et ils détruisent un pont de promenade. Et ils vous foutent du macadam pour que les gens puissent un peu marcher. Après, ils vous le détruisent. Et après, vous vous retrouvez avec un dédale où les gens n'ont pas de place pour passer. En plus de ça, bon, il y a des zones qui sont graveleuses, ce qui fait que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas, ne peuvent pas se déplacer sur ces zones-là, ce qui fait que ça gêne terriblement les sorties en ville. Donc il faut absolument qu'on mette des planches en bois imputrescible ou des planches en métal pour qu'on puisse circuler. Il y a un passage aussi quand on traverse en face du CNC, je crois, je ne sais plus trop quoi, où vous avez une espèce de passage. Au bout, il y a une espèce de zone aussi pas stable où c'est bourré de gravillons. Moi, à chaque fois, j'ai toujours peur de me retrouver coincé. Et c'est excessivement compliqué pour moi. Et aussi compliqué pour les gens qui sont éventuellement, je dirais, en béquille, qui circulent avec un déambulateur, ou les parents avec les poussettes. Bref, c'est du ni fait ni à faire. C'est du bordel, c'est du grand n'importe quoi. Rien n'est fait correctement, de façon régulière, de façon logique. Bref, c'est du véritable n'importe quoi. Je dirais à l'image de la gestion déplorable de la ville de Martine-Aubry. J'espère qu'aux prochaines élections municipales, je crois que, je sais plus si c'est en 2019-2020, j'espère que ce sera enfin, je dis bien enfin, une autre couleur politique qui dirigera la ville de Lille. Parce que les socialistes, on en a marre. On en a ras-le-bol. Et comme par hasard, ces travaux sont faits peu de temps avant les élections européennes et après municipales. Cette blague. Mais en attendant, c'est du n'importe quoi. C'est ni fait ni à faire. C'est pas sérieux. C'est pas logique. Ça empêche tout le monde de circuler correctement. Bref, ces travaux-là, c'est véritablement, c'est de la vraie merde, quoi. Non, non, franchement. Il y a un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Donc Martine Aubry, les travaux qui se passent autour de la gare sont un véritable fiasco, emmerdent le monde, empêchent les parents de circuler avec les poussettes, les personnes avec des ambulateurs de circuler, ou une personne qui doit servir de béquille, c'est pareil, et encore pire qui plus est, pour nous, personnes à mobilité réduite, qui ne pouvons pas circuler sur des zones graveleuses et avec plein de gravillons de cailloux parce que ça risquerait de nous provoquer un accident de circulation avec nos scooters électriques ou nos fauteuils roulants et ça peut crever les roues, ça peut. Bref, c'est accidentogène et après ça nous oblige à circuler de façon dangereuse dans les routes. Voilà, donc c'était mon coup de gueule, oui, concernant les travaux actuels qu'il y a sur l'île autour de la gare de Lille.